je te fais mulher frágil por dentro. Pra conservar no teu ventre o amor mais puro. Cher Arsenio, Rosarinho et Luigi sont si différentes que quand je les emmène au parc, personne ne croit qu'elles sont jumelles. Elles ont déjà commencé à marcher et ne restent jamais tranquilles. Là où va l'une, l'autre suit. Et si l'une pleure, l'autre pleure tout de suite aussi. Elles ne nous laissent pas un moment de répit, Arsenio. Aujourd'hui encore, je fais des cauchemars quand je pense à ce qui aurait pu leur arriver aux mains de ce pervers d'Arthur. Capaz de doar a vida por seres frágeis e sem glórias, capaz de ser a sombra. Mais d'ailleurs, ils peuvent ne pas avoir trouvé le corps, mais une chose est certaine, Arthur n'a pas enlevé les enfants tout seul. Le fait est qu'il n'y a plus aucune piste, ni sur l'enlèvement, ni sur la personne qui a fait exploser le bateau. Mais tu sais aussi, mon cher, que ça a pu être une balle perdue. Les chasseurs furtifs, c'est tu pas ce qui manque là-bas. Cette balle peut très bien avoir été destinée à Mara. Je ne sais pas. Même si un an est passé, cette histoire n'est pas terminée. Bon, allez, arrête d'y penser. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle ? J'aime bien. Hein? Félicitations. Dis-moi, Bino, mon vieux, on y va. J'ai quelques cadeaux à acheter. Papa gâteau. Allons-y, papa gâteau. Et voilà, on est déjà arrivé. Qui me donne un coup de main avec les caisses? Allons, les enfants, au travail. Je dois me dépêcher. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Rosarinho et Luigi. Déjà? Alors, t'avais pas encore compris, même en voyant ma tête? Le temps passe si vite, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bien, je pense qu'il est superflu de préciser que t'es invité. Je pourrais pas venir. Je vais rester faire l'inventaire des médicaments qui viennent d'arriver. Ce n'était pas une question, César. Sans toi, Rosarinho ne serait pas là avec nous. J'irai la voir un autre jour. La vie n'est pas seulement le travail, César. Amuse-toi bien. Pourquoi tu t'isoles autant? Alors? Excuse-moi pour le retard. Je suis allé acheter quelques cadeaux pour nos bébés. J'espère que t'as pas exagéré. Exagéré? Oh, c'est pas vrai. J'ai dû le pousser hors du magasin. Il voulait acheter tout ce qu'il y avait là-bas. Mais enfin, Luis Miguel, qu'est-ce que tu as fait? Elles vont devenir des enfants que gâtés. Que veux-tu que j'y fasse? C'est plus fort que moi. Oh, c'est plus fort que moi. Allez, montre-moi. Na verdade, o que eu sinto é que tu, pra mim, és a única mulher que me acompanha. Fica sempre segundo inquieta. Tu, pra mim, és a única mulher que me satisfaz. C'est très mauvais. Tu n'as jamais appris à faire la mwamba. Il n'y a que ça. Après, tu te plains d'avoir faim. Tu es méchante avec moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je serai sans doute mieux à l'hôpital. Au moins là, il s'occupe de moi. Parle avec moi. Et ne me donne pas cette... Est-ce que tu veux vraiment que je te dise ce que tu m'as fait?
veux vraiment? Tu me rends encore responsable d'avoir perdu ton fils. Si au moins tu avais su qui était le père de l'enfant. Tu m'as obligée à travailler alors que j'étais enceinte. J'ai perdu mon fils à cause de toi. Et ça ne vaut pas la peine de prendre cet air de petite sainte, ça ne me touche pas. Vieille roublarde. Il fallait bien quelqu'un pour ramener de l'argent à la maison. Et de la nourriture à table. Vite. Alors cesse de pleurnicher. De la nourriture, tu en as déjà. Viens ici près de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Va donc jusqu'à l'armoire. Et ramène-moi un sac en tissu. Va. Tu sais que je suis ton unique famille. Et il manque peu de temps avant ma mort. Tu vas recommencer avec tes pleurnicheries. Tu as toujours été répondeuse. Mais tu es une bonne petite. Et tu mérites de savoir la vérité. C'est quoi ça? Vas-y, ouvre. Je ne sais pas lire. C'est ton acte de naissance. Vita Mulungu. Oui, c'est mon nom. Ça veut dire... que tu es née pendant la guerre. Orpheline de père et mère. Le savais-tu? Mais tu avais un père et une mère. C'est le moment de savoir qui ils sont. S'il y a un an, on m'avait dit que nous allions être ici, tous ensemble et heureux, je ne l'aurais pas cru. Un chemin semé d'embûches. Mais ça a valu la peine. Merci de n'avoir jamais renoncé à moi. Ça ne fait que prouver que notre amour est plus fort que tout. Tout. Viens par là. Allez. J'ai tellement lutté contre l'amour de ces deux-là, Binou, mais j'avais complètement tort. Quand te décideras-tu de dire à Mara que tu es sa mère? Pourquoi? Pour qu'elle souffre plus? Alors, tu vas souffrir en silence, c'est ça? Tu sais bien que ce secret est en train de te ronger l'âme. Ça me suffit d'être près d'elle et de voir grandir mes petites filles. Mara ne mérite pas de savoir qu'elle est le fruit d'un viol et personne ne le mérite. La haine reste là où elle doit rester, dans le passé. Regarde.
peux passer ? C'est à moi que tu parles ? Je peux passer ? Si tu veux passer, tu dis s'il te plaît et tu m'appelles Monsieur Cabral. Tu m'entends ? Lâche-moi les pieds. Le gardien arrive. Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le vieux est tombé, je n'ai rien à voir là-dedans. Norberto, tu as une visite. Semble abattu. Il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Je tiens le coup. Merci, mon ami. Et Mara? Et mes petites filles, comment vont-elles? Raconte-moi tout. Elle pourrait vous le dire, si au moins on la laissait venir vous voir. Quand je reverrai ma fille et ma famille, ce sera la tête haute, et non pas comme un assassin derrière les barreaux. Mais ça peut prendre des années. Mon avocat est confiant que cette fois mon recours sera accepté. C'est la bonne nouvelle de la journée. Et je te garantis une chose. Quand je sortirai d'ici que tout sera fini, quelqu'un va se repentir d'être né. C'est une promesse. Norberto a intercepté un autre appel ? Ça ne lui servira pas à grand-chose. Mais tu sais qu'Arsenio est l'unique témoin de la mort de Renato Guedes. Et il a dit que Norberto a agi ainsi en légitime défense. On dirait que tu as suivi un cours de droit sans que je le sache. Non, mais t'as pas besoin non plus de me parler ainsi. Tu sais, je suis sans cesse paniquée à l'idée qu'un jour Norberto va sortir de prison et qu'il va me poursuivre pour se venger seulement parce que je l'ai dénoncé, je le sais. Ne t'inquiète pas. Tant que tu seras avec moi, aucun mal ne pourra t'arriver. Je récompense mes amis. Non, c'est bon. J'ai pas besoin que tu me couvres de bijoux et de beaux vêtements. Tu sais ce que je veux. Je veux que ma fille revienne. Et tu vas la voir. Oui, mais quand? Tu as promis ça. Au moment opportun. Demain, c'est le mariage de Sarah. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais Antonio a vraiment insisté pour me conduire à l'hôtel. Je n'ai pas de quoi t'en vouloir. Il est ton père. Je te l'ai dit. L'important, c'est que Sarah se sente bien. C'est ton jour, ma chérie. C'est notre jour. Quand est-ce que Luis Miguel et Mara arrivent de Luanda? Ils arrivent après la fête d'anniversaire des jumelles. Luis Miguel a beaucoup de travail avec les affaires de Venancio en Angola. Mais ils arriveront à temps pour le mariage? Bien sûr que oui, ce sera l'événement de l'année. Oh, ils sont déjà arrivés. Je vais donner l'ordre de servir le dîner. Excusez-moi, excusez-moi. Vous allez donner l'ordre de quoi? Vous vous prenez pour qui pour donner des ordres chez moi? Francisca, calme-toi s'il te plaît.
Ton attitude est inadmissible, Francisca. Inadmissible? Pourtant, tu fais bien semblant que maman n'a jamais existé. Parce que Yolanda vient habiter chez nous. Attends, j'ai bien entendu, là? Bon. J'ai invité la famille à dîner. Pour vous dire que... Yolanda reste ici à la maison. Dès que possible, nous pensons nous marier. Je rêve, là. Dites-moi que c'est pas vrai. Ma chérie, je comprends que ta mère te manque, mais je te promets que je vais faire... Vous ne promettez rien. En ce qui me concerne, moi. Papa, si elle emménage, je pars. Ne relève pas, Georges. Non, je ne vais pas laisser passer, c'est déjà aller trop loin. Je la comprends, sa mère lui manque, n'est-ce pas? Sa mère qui a fait tuer quelqu'un pour m'accuser et me faire mettre en prison? Et qui se préparait à claquer la porte à la famille? Pilar a payé bien cher ce qu'elle a fait, mon frère. Oui, Concha, elle a payé. Mais je n'oublie pas, ni ne vais jamais oublier ce que cette femme m'a fait endurer. Et cessez de me considérer comme le méchant du film. Parce que je ne le supporte plus. Je m'en doutais. Ah, mais comment avez-vous réussi à venir ici à nouveau? Vous ne savez pas que c'est dangereux? Et si vous vouliez prendre l'air, il suffisait de me le dire, je vous emmenais au jardin. Vous savez, un de ces jours, je vais vous attacher au lit et ensuite, vous n'allez pas vous plaindre. Félicitations à maman. Félicitations à nous deux. Magnifique, Sarah. Tu trouves pas que ça aurait dû être légèrement plus serré? Ta sœur a raison. Tu es la mariée la plus belle que j'ai jamais vue. Merci. J'espère que Diogo pensera aussi la même chose. Diogo va tomber à la renverse en te voyant. Alors, et la lune de miel? Est-ce qu'elle va toujours être à Venise? Ouais, c'est ça. Antonio nous a offert le voyage comme cadeau de mariage. Et il m'a également offert ça. Waouh! Et voilà! Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça a coûté une petite fortune, cette merveille. Ouais. Il a toujours tendance à exagérer un peu dans les cadeaux. En effet, ce n'est pas tout le monde qui peut. Waouh! J'ai vraiment eu une vie de rêve ces derniers temps. Antonio fait tout ce qu'il peut pour compenser toutes ces années de rejet par mes parents. J'ai toujours grandi dans cette maison en me sentant pas désirée, insignifiante. Et je peux remercier ma mère.
Oublie tout ça, Sarah. Maman n'est déjà plus ici. La seule chose qui importe, c'est que tu sois heureuse aujourd'hui. C'est vrai. Je vais réussir à avoir tout ce qu'on m'a toujours refusé. Finalement, une famille. Et je vais me marier avec l'homme de ma vie. Diogo a beaucoup changé, qu'il aurait cru. Et votre histoire prouve que l'on doit faire plus confiance aux gens. Ouais. Allez-vous m'aider? Oui. On y va. Bon, attention, il reste plus que les bijoux à te mettre. Voilà. Tiens, voilà, c'est joli. Tiens, mets-lui. Magnifique. Non, attention, non, il va être magnifique. S'il te plaît, tu peux voir ça. Sarah a déjà beaucoup trop souffert. Et j'en ai la parfaite conviction. Parfait. Et moi, j'ai confiance en toi pour la rendre heureuse. C'est ce que je prétends faire. Et je veux vous remercier de la chance que vous m'avez donnée. Une chance? Tu devrais savoir que je ne signe pas de chèque en blanc. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Me menacer, c'est ça? Je suis venu clarifier mon rôle. Et le tien. Tant que tu te comportes bien, tout va comme sur des roulettes. Vos affaires sont sûres et très bien gardées. Pour moi, personne ne va découvrir une quelconque illégalité. Je vais choisir de te faire confiance. Mais si tu commets le moindre faux pas... J'en souffre les conséquences, je sais. Soyez-en sûr, j'ai très bien appris la leçon quand vous m'avez pendu par les pieds sur le pont. Je suis juste venu te raviver la mémoire. Ce n'est pas parce que tu vas épouser ma fille que je vais commencer à t'estimer. Il y a des choses que vous-même ne pouvez pas empêcher. Je vais chercher Sarah. On se retrouve à l'église. J'ai un paquet pour Monsieur Diogo Mendoza. Un autre cadeau. Signature. Merci. Comment va notre bel oiseau? Il va réaliser le plus grand coup de sa vie. Comme on pouvait s'y attendre, il est confiant. Ils sont toujours ainsi avant de finir par se brûler les ailes. J'ai décidé d'aller au mariage. Sarah me l'a demandé et j'ai accepté. Malgré tout, je la considère toujours comme ma fille. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? Excusez-moi, monsieur, mais je pensais... Ah, Pilar, et comme elle aimerait être ici aujourd'hui. C'est le mariage de sa fille. Pilar ne s'est jamais préoccupée de ses enfants, jamais! Oh, monsieur, ne dites pas une chose comme ça. Allez. Allez, s'il te plaît. Jette-moi tout ça dehors. Madame Pilar aurait pu partir, mais elle est restée ici durant toutes ces années. Et si elle l'a fait, c'est pour ses enfants. Elle est restée pour elle-même, parce qu'elle n'avait plus rien d'autre à quoi s'agripper. Et quand elle a vu une sortie plus facile avec Antonio, elle est partie. Elle a fui. Monsieur a enterré sa femme. Heureusement que je l'ai fait. Vous avez enterré votre femme?
pour en trouver une autre. Je ne te permets pas, Bertha. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu vas montrer plus de respect pour Yolanda, c'est clair? Monsieur peut bien s'être débarrassé du souvenir de Pilar, mais il ne peut pas exiger que les autres en fassent autant. Non, 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 tu te trompes, Bertha. J'exige que la mémoire de ce monstre soit définitivement effacée. Et si les autres refusent? Qu'est-ce que vous faites? Vous les renvoyez? C'est ma maison ici. Donc, ici, c'est moi qui dicte les règles. Donne-moi ça! Monsieur! Donne-moi ça, Bertha! Vas-y, donne-moi ça! Laissez-moi la robe de Madame Pilar! Laissez-moi! Laissez... Ne faites pas ça, monsieur! Ne faites pas ça, non! 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 Ne faites pas ça! Laissez-moi la robe! Non! C'est fini. Pilar est morte. Regarde, grand-père. Ah, bonjour. Bonjour, Georges. Ah, comment vas-tu? On doit déjà être en retard, n'est-ce pas? Un bisou à grand-père. Ah, vous avez fait un bon voyage? Oui. Regarde, c'est grand-père. Hein? Alors, tout est fin prêt pour le mariage? Grand-père, je peux monter dans la voiture avec Sarah? Elle est où, la mariée? Elle est en haut, en train de se préparer. Tout va bien, papa? Bon, allez, dépêchez-vous. Oh, ça va? Il est bizarre, non? Comment? Quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram, sabes de mim, eu sou aquele que se esconde, sabe de ti sem saber onde. Mes enfants, ils vont bien? Oui, ils étaient impossibles. Je me suis retardée beaucoup à cause d'eux. Je parlerai plus tard avec eux. J'ai presque failli ne pas venir, mais Raphaëlla a fini par me convaincre. Il manquerait plus que ça. Tu dois te distraire. Quelle sournoise. On ne peut vraiment pas lui faire confiance. Tu ne crois pas que tu devrais contrôler ton sentiment d'insécurité vis-à-vis de Sylvia? Tu sors déjà avec Pedro depuis si longtemps. Pense à ça. Qu'est-ce qu'elle a que toi, tu n'as pas? Des enfants? C'est une blague. Tu sais, j'en ai un à la maison à échanger, tu en veux? C'est le fils de Mito, bon marché, en solde. Excuse-moi. J'ai les deux bébés à la maison et le fils de Mito, je l'aime. Comme si c'était mon propre fils. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Ça doit être une maison pleine de vie. Et tu es une sainte d'accepter ce bébé Bruno à la maison. Je trouve incroyable que Mito ait abandonné ses enfants. Il n'y a vraiment qu'Enrique pour trouver ça très normal. Quelqu'un l'a invité? Ou bien c'est elle invitée? Daniela trouve toujours un bon moyen de se faire inviter. Est-ce que j'ai attention à elle, s'il te plaît? Mais c'est le summum du chic, mon cher. Sarah a très bon goût. Si Kizua était ici, il aurait adoré. Mais si j'avais été chargée de l'organisation, j'aurais recouvert de paillettes tous les bouquets. Yolanda, c'est un mariage, on n'est pas à Noël. C'était seulement la différence. Et Antonio? Il est allé chercher Sarah. Papa, tu aurais dû t'imposer. C'est toi qui l'as élevé, tu le mérites.
Qui est-il, ce monsieur qui apparaît au bout de plus de 25 ans et prend ta place? C'était à toi de conduire Sarah à l'hôtel. La décision a été prise par Sarah, Luis Miguel. La journée appartient à Sarah. Et à partir du moment où elle est heureuse... Oui. Vraiment, je la comprendrai jamais. Tiens, pour te nettoyer, tu es en train de baver. Allez. Que veux-tu que j'y fasse? Je suis éperdument amoureux. Ça va bientôt commencer. On dirait presque que c'est ton mariage. Et Diogo, il n'est toujours pas là. Alors vous êtes sûr que Diogo est pas encore arrivé? Pas encore, pas encore. Il devrait déjà être ici. Calme-toi, Sarah. Il est encore tôt, d'accord? Il est encore tôt, une heure de retard le jour de son propre mariage. Il est peut-être dans les embouteillages. Oui, en plus, aujourd'hui, il y avait grève. Bien sûr, ma chérie, il doit être en train d'arriver, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu es jolie comme ça. J'ai téléphoné à Diogo, mais il ne répond pas. Du calme. J'ai demandé à Radu de passer chez lui pour voir ce qui se passe. Sarah, quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours avec toi. Quoi qu'il puisse arriver? Promets-moi, s'il te plaît, que tu vas résister à l'envie de faire une scène. Est-ce que, par hasard, j'ai l'air d'une femme qui tient ses promesses? Je trouve sincèrement qu'un peu d'agitation, ça ne nous ferait pas de mal. Je commence à trouver le temps, le moment-là. Quand est-ce qu'arrive la mariée? Mais quelle barbe! Du calme, champion, du calme. Tu dois parler tout bas. La mariée arrive toujours en retard. Hein? Et toi, tu ne crois pas que tu en montres un peu trop? Couvre donc un peu tes jambes, s'il te plaît. Bonjour. Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose? Parce que si c'est le cas, dites-le. Vous avez entendu un bourdonnement? Ah non, dites, vous êtes en train de me traiter de mouche? Arrête tes histoires, regarde Johanna. Johanna quoi? Johanna, elle va venir auprès de sa mère parce que je refuse qu'elle reste auprès de vous à se remplir les oreilles de vos saletés. Maman, mais moi je veux rester ici à côté de Kandimba. En plus, c'est moi qui vais amener les alliances.
Ma chérie, tu veux bien venir un tout petit peu auprès de ta mère? Tu veux que maman soit triste, c'est ça que tu veux? Tu es en train de descendre très bas et en et plus... Et en quoi? Ça fait un an que tu as la garde de ma fille et que moi je la vois à peine. Ça te dérange qu'elle vienne un tout petit peu auprès de sa mère? Vas-y, ma chérie. Viens là. Calme-toi, Luis Miguel. Reste calme. Oui, s'il te plaît. Tu ne vas pas la laisser gâcher le mariage de ta sœur, on est bien d'accord? Au fait, et Diogo, tu ne m'as pas dit qu'il habitait ici, près de l'église? Oui, il habite tout près, j'ai déjà essayé. Il répond pas. Attends, je vais réessayer. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Serait-il possible qu'il ait décidé de ne pas assister au mariage? Tu crois? Cette canaille n'a toujours été que des illusions pour Sarah. Oui, mais il abandonnerait ainsi toute hypothèse de mettre la main sur la fortune d'Antonio? Oh, j'en doute. Combien de millions m'as-tu dit que ce dernier possédait? Pauvre Sarah. Elle doit être à fleur de peau. Il peut pas me faire ça. Il peut pas me faire cette humiliation, c'est pas possible. Il devrait déjà être arrivé depuis des siècles, il est capable de pas venir. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? S'il n'apparaît pas, je commence à croire que oui. Il peut pas me laisser ici, il peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour lui, ce serait vraiment trop cruel de sa part. Ma chérie, calme-toi. Sarah, calme-toi. Oh, c'est la honte. Il arrive, il va venir, ne t'inquiète pas. Je refuse d'être la mariée abandonnée au pied de l'autel, je m'y refuse. C'est pas possible. Il doit venir, il n'a pas le choix. Ne t'inquiète pas. Oh, Sarah. Et s'il ne venait pas? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, tais-toi. Et tu veux bien arrêter de me rendre encore plus nerveuse, Francesca? Oh, mais ça va pas. Mais quoi? Tiens bon, Sarah. Non, 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 pas de larmes. Ne pleure pas, pas de larmes. Tu vas abîmer ton maquillage. Allez, tu dois tenir bon, ma chérie. C'est horrible. Le simple fait de penser qu'il pourrait ne pas... Non, 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 il ne pense pas, à ça, ma chérie. Ne pense pas à ça. Il ne peut pas me faire ça. Alors, calme-toi. Diogo est arrivé. Tout va bien. Tu vois? Tu vois, ma chérie? Tu vois? C'est maintenant. C'est maintenant. Reprends-toi. Les filles? Les bouquets? C'est parti, les filles. Allez, bonne chance, Sorette. Oh, merci. T'es vraiment magnifique. Merci, à tout de suite. Tu es prête? Non. Qu'est-ce qui se passe avec Diogo? On dirait qu'il ne se sent pas très bien. C'est sans doute la pression du mariage. Ou bien alors c'est de la méchanceté. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est curieux. Thank you.
Qu'est-ce qui t'arrive? N'est pas. Arrête, non, mais Diogo! 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 Diogo, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas. Diogo! Diogo, s'il te plaît, réveille-toi! Diogo, aidez-moi! Appelez une ambulance, vite! Une ambulance, vite! Non! Diogo, Diogo, parle-moi! Diogo! Diogo, s'il te plaît, regarde-moi! Diogo, Sarah, s'il te plaît, regarde-moi! Sors d'ici! Diogo! 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 Ah, s'il te plaît! Non! Le SAMU est arrivé.